c'est l'escroc qui est plus mauvais que le voleur. Parce que l'escroc peut mettre plusieurs personnes en désaccord. Tandis que le voleur, quand il vient, c'est un individu seulement. C'est l'individu là seul seulement qui fait pleurer. Et l'escroc, même s'il peut mélanger deux familles ou bien trois familles, s'il vaut même un village ou bien deux sous-préfectures ensemble, à travers son escroquerie. So, parce que moi, je suis là. Dans la baraguelle, à ma soeur, à ma soeur, à ma soeur, à ma soeur. Tous les deux. Il faut que vous le fassiez. Parce que il faut que vous le fassiez. Les deux personnes sont tous mauvaises. Mais plus, c'est le voleur. C'est le voleur. Pourquoi le voleur? Parce que le voleur ne peut pas voler d'abord. Il faut qu'il y ait des activités, il y a des actes. Il faut qu'il s'apprend à ça d'abord. D'abord, il faut qu'il ait quelqu'un qui ment d'abord. Quelqu'un qui place des arguments. Quelqu'un qui est stratège pour voler. Donc, il faut qu'il apprenne les choses d'abord pour qu'il puisse être spécialiste. Donc, le voleur est plus que escroc, selon moi. Selon moi. Parce que nos femmes d'aujourd'hui, ce qu'ils voient à la SO dans les séries, là, dans les films de séries, ils veulent imposer ça sur leur mari, tandis qu'ils n'ont pas de mêmes conditions de vie avec ceux qui tournent les séries là. Vous voyez? Mais avec le téléphone, on peut s'entendre, on peut s'adapter un peu à ça. Téléphone, parce que nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un téléphone de feu. C'est sérieux. Parce que nous avons perdu le temps à Django Congo. Talfonka, quand nous avons, c'est pour tout le monde. Étant donné ainsi la ramée, moi je vous dis franchement actuellement, les foyers des femmes, entre les deux choses, les séries et téléphones, séries donnent beaucoup d'expérience, mais le téléphone est plus rapide pour gâter les foyers des femmes actuellement. Surtout la connexion actuellement. Ils se connectent seulement pour attirer les hommes, seulement pour afficher les photos, seulement pour convaincre les autres hommes. C'est seulement ça, la connexion actuellement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres. Vraiment, ça gâte facilement les foyers d'aujourd'hui, les foyers des femmes d'aujourd'hui. Actuellement, les femmes intellectuelles ou les femmes sages cherchent actuellement à se marier. Et après avoir marié, ils cherchent à protéger leur mariage sur tous les plans. Mais ce que je vais dire, de ne pas, si tu es une femme mariée, il faut soin de ton mari. Il faut connaître ton mari, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Il faut laisser les réseaux sociaux. Tu as un mari, qu'est-ce que tu cherches maintenant sur les réseaux sociaux? Donc, ce que tu cherchais, tu as eu ça. Dieu t'a donné ça. Il y a milliers de femmes qui ne sont pas mariées. Qu'est-ce que toi, tu cherches là-bas? S'il s'agit des relations, il faut tisser la relation, la bonne relation avec ton mari. C'est très simple. Donc, laissez les réseaux sociaux pour les connexions, les Facebook et autres, les femmes mariées. Et séries, d'une part, c'est bon de regarder les séries avec ton mari, selon moi. C'est bon de regarder avec ton mari pour au fait renforcer votre lien de l'amour, votre lien de rapprochement. C'est que si vous regardez à deux, c'est plus beau et belle que de regarder seul. Parce que si tu regardes seul, tu vas inventer et comprendre les séries d'une autre manière. Donc ça va te guider sur le mauvais pas. Donc c'est pas bien de regarder les séries dans ce côté.